Enfin, te voilà. Bonsoir, Barbara. Pardon, madame la proviseure. Désolée pour le retard, mais avec les répétitions, ça a été la course. Oh, mais dis pas de sottises. Puis on en sait bien que les stars aiment se faire désirer. Hein? L'essentiel, c'est que tu sois là. J'ai reçu mes invitations pour demain soir. Oui, mais t'es fou d'avoir invité toute la classe. Voilà, j'imagine pas comme on a hâte de voir ton spectacle. Ça va être magique. Oh. Merci, Alexandre. Maman. Je te laisse. À plus tard. Cédric, si j'étais toi, je me méfierais. Cette blonde est une vraie croqueuse d'homme. T'inquiète, vieux, j'ai pas oublié qu'elle faisait des ravages au lycée. Mon ex-mari a du mal à digérer notre divorce. Ça fait pourtant plus de 5 ans. Faudrait peut-être que tu t'y fasses, hein. Ah, mais il m'arrive de me réveiller la nuit et de croire que nous sommes encore mariés. Mais après un moment, je réalise que c'était un cauchemar. Oh, salaud. Regarde bien la concurrence. Tu verras ce que tu perds. Mais regarde-les. Le club des ratés. Le pire, c'est qu'ils ont l'air ravis de leur petite vie minable. C'est pathétique, eux. Je me demande qui est le plus pathétique. Ah! Alors enfin le grand Alex King! Alors quoi, le bonjour aux copains? Salut Jérôme. Oh, mais t'es dingue, tu m'as broyé la main. Dis-moi, ça te fait marrer d'inviter une aveugle à ton spectacle? Je voulais pas blesser Fanny. Non, bien sûr, tu voulais pas. C'est vrai que t'en as déjà assez fait comme ça. Tu peux les garder, tes billets! Plutôt crever que de te voir te pavaner sur scène. Jérôme, ça suffit! Tu aurais pas dû venir. Ma petite puce, qu'est-ce qui te prend nettoyer la cuisine un samedi matin à 8h? Faut bien que quelqu'un tape la corvée, ou la maison va ressembler à une porcherie. Ah non, mais t'exagères, là. La dernière fois que j'ai fait le ménage, c'était... Il y a 2 semaines. Et c'est pas toi qui l'as fait, c'est Juliette. Avant de filer en Angleterre, la lâcheuse. Mais je comprends très bien que ça soit difficile pour toi depuis que ta sœur est partie, mais enfin, il faut qu'on apprenne à se débrouiller sans elle. Hein. Ça, c'est clair. Hors de question que je fasse ce cadeau. Et tu sais quoi? Je suis sûre que c'est pour ça qu'elle nous a abandonnés. Elle doit bien se marrer en nous imaginant complètement paumés sans elle. Ta sœur est partie et t'arrives quand même à râler contre elle. C'est ton souffre-douleur qui te manque, en fait. Non, mais pas du tout. Moi, je vais lui montrer quelle boisson fait les Magellan. Oui, Paloé. Hein? Ah ben, j'arrive tout de suite, oui. Tu vois, ma chérie, même le week-end. Ben, je vais appeler Madame Muscat pour qu'elle vienne s'occuper de toi. Oh non, pas Madame Muscat! Ah non, mais... Mais Cordelia... Pardon, papa. Plus vite, ça. Changer mes trucs maintenant. Bonjour Paul. Allô.
Alors, qu'est-ce qu'on a? La victime est à l'intérieur. Il s'agit d'Alexandre Kremer, plus connu sous le nom d'Alex King. L'illusionniste. Oui, il devait faire un spectacle ce soir, autant dire que les billets sont vendus comme des petits pains. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il était originaire de Seignac et que sa famille possédait une très grande entreprise de menuiserie dans la région. C'est un enfant du pays, mais bizarrement, il n'a jamais travaillé ici. Ça devait être un événement, une grande première. J'ai même pris des billets pour Capucine, grande fan d'Alex King. Je voulais lui faire la surprise, mais elle va être déçue. Hein. Ça sera pas la première fois, mon petit Paul. Bonjour, lieutenant. Commissaire. Qu'est-ce qu'on a? Une balle en plein cœur. Il y a des résidus de poudre sur la chemise. C'est un tir à bout touchant. Et on a affaire à un petit calibre, sûrement du 9 mm. Personne n'a rien entendu? Au milieu de la nuit, la détonation n'a pas fait plus de bruit qu'un pot d'échappement. Hein. Et on a une idée de l'heure de la mort? Aux alentours d'une heure du matin, selon l'estimation du légiste. Ouais. Et qu'est-ce que la victime faisait ici, à cette heure-là? Après sa productrice, Alexandre Kremer bossait très tard la veille de ses spectacles. Il était du genre perfectionniste et il vérifiait les moindres détails. On dirait qu'il y a eu lutte. Si c'est un coup de poing, il date pas d'aujourd'hui. J'ai montré cet hématome au légiste et lui aussi pense qu'il n'est pas récent. Vous pouvez enlever le corps. Remettez dans la mallette, là. On sait comment l'assassin s'est introduit? La porte de service n'était pas fermée à clé. C'est sûrement par là qu'il est entré. Tu crois qu'il attendait quelqu'un? Ou qu'il se méfiait pas? Bah, il aurait dû, parce que celui qui a fait ça s'est pas contenté de le tuer. Venez. C'est par ici. Je me suis dit que vous aimeriez voir ça d'abord. La loge de la victime. La scientifique l'a pas encore examinée. Sinon, le décorateur y est pas allé avec le dos de la cuillère. Plutôt avec une batte de baseball. Ça, plus les tags, soit notre vandale était très jeune, ou soit c'est ce que le meurtrier veut nous faire croire. Très intéressant, ça. Alexandre Kremer est passé dans sa loge avant d'être assassiné. Et en quoi c'est important? Ça prouve que la loge a été saccagée après le meurtre. Oui, et que le meurtrier devait être sacrément en colère pour éprouver le besoin de tout casser après avoir tué la victime. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médicament? Ah oui, c'est du tropisan. C'est un antidouleur, je le sais parce que je l'ai pris quand j'avais l'épaule luxée. Alexandre était malade? Bah, pas à ma connaissance. S'il l'était. Alexandre souffrait d'une hernie discale. Il était obligé de se bourrer d'antidouleur pour assurer ses spectacles. Élodie Vareux, productrice. C'est elle qui a retrouvé le corps en arrivant ce matin. Je n'étais pas simplement la productrice d'Alexandre, mais aussi son ex-femme. Business et divorce font rarement bon ménage. J'imagine que c'était pas très facile, très évident de travailler avec lui. On se connaissait depuis le lycée et on faisait du très bon boulot ensemble. Après le divorce, on a même décidé de poursuivre notre collaboration. Et qui a décidé de cette date à Seignac? Alexandre. C'est lui qui a insisté pour qu'on termine la tournée ici. Mais pourquoi maintenant? Il s'était jamais produit à Seignac avant. Il n'était pas là simplement pour ça. On était invités tous les deux à une fête au lycée Jean Mermoz. Et c'était quoi cette fête exactement? Vous savez, le genre copain d'avant où les anciens élèves se retrouvent. Je me doutais que ce serait d'un ennui mortel, mais Alexandre y tenait absolument. Il disait que ce serait marrant de revoir les vieilles têtes. Et il s'est passé quelque chose de particulier à cette fête? Pas que je sache. Mais je suis pas restée éternellement. C'était tellement déprimant que je suis partie juste après l'arrivée d'Alexandre. Le commissaire? Il est là à droite. Alors c'est vrai? Alex est mort? Vous êtes qui, vous? Guillaume Kremer, le frère d'Alex. Je viens d'entendre la nouvelle à la radio, j'arrive pas à y croire. Et alors t'es venu par toi-même pour bien vérifier qu'il était mort? Eh ben tu peux jubiler, c'est le cas. Toi, je t'interdis. De quoi? De dire que tu pouvais pas le blairer, que vous étiez pas parlé depuis des années? Sale vipère, même dans un moment pareil, tu peux pas t'empêcher de cracher ton venin, hein? Ah, ça suffit comme ça maintenant. Lieutenant, vous terminez l'interrogatoire de Madame Vareux et vous venez avec moi. Allez. Votre ex-belle-sœur n'a pas l'air de vous porter dans son cœur. C'est réciproque. C'est à cause de cette garce qu'Alex est devenu un sale con égoïste. Ça lui a complètement retourné le cerveau. C'est à elle que vous en vouliez ou à votre frère? Qu'est-ce que vous insinuez? Oui, rien du tout. Je sens simplement beaucoup de rancœur dans vos propos. C'est vrai.
En même temps, dès qu'il en a eu l'occasion, Alex est barré à Paris, m'a laissé tout seul pour m'occuper des parents, gérer la menuiserie familiale. Célébrer les skiing, il était trop débordé pour venir à Seignac. Mais vous saviez qu'il était de retour à Seignac. Il y avait des affiches partout dans les rues. Vous ne pouviez pas l'ignorer. À moins que vous n'ayez pas eu envie de le revoir. Oui, mais mon frère n'était pas branché famille. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est pour les obsèques de notre mère. Il n'y a pas loin de 18 ans. Tout ce qui comptait pour lui, c'est la scène, la gloire, les paillettes. D'ailleurs, il nous a rayé de sa vie d'un claquement de doigts. Tout ça parce que monsieur pensait qu'à sa gueule et qu'il voulait devenir le nouveau David Copperfield. Il a plutôt bien réussi. Oui, où ça l'a amené? C'est bizarre, la vie. On croit toujours qu'on aura le temps de dire aux gens qu'on les aime, mais c'est pas vrai. Maintenant, c'est trop tard. D'après Elodie Vareux, toute la troupe est arrivée à Seignac il y a 5 jours. Les répétitions se passaient normalement et Alexandre Kremer n'avait pas l'air particulièrement inquiet. Hein. À l'entendre, il n'avait aucun ennemi. Et comme toutes les victimes de meurtre, c'est bien connu. Mais il y a quand même quelqu'un qui n'a pas apprécié qu'il revienne dans sa ville natale. Tu crois que c'est pour ça qu'il a été tué? Je sais pas, son frère m'a dit qu'il n'avait pas mis les pieds à Seignac depuis au moins 18 ans. Et le fait que sa mort coïncide avec son retour, c'est quand même troublant. Il était une fête hier soir au lycée. On va aller faire un tour de ce côté-là. Je pense que j'ai fait des pieds et des mains pour qu'Alexandre vienne à cette soirée. Alexandre, vous l'avez appelé par son prénom. Vous le connaissiez? Oui. Avant d'être proviseur de ce lycée, j'ai d'abord été élève, la promo 85. J'étais dans la même classe qu'Alexandre. Vous étiez proche? À l'époque, oui. On faisait partie de la même bande. Alexandre avait un charisme incroyable, du genre à déplacer des montagnes. Ou alors à attiser la jalousie. Oh non, on était une bande très soudée. Bon, je ne dis pas qu'il n'y avait pas quelques accrochages de temps en temps, comme pour tous les ados, mais jamais rien de bien sérieux. Et les autres membres de la bande, ils sont venus à la fête, garçon? Oui, par chance, oui, tout le monde était là. Et comment sont passées les retrouvailles? Il n'y a pas eu un incident, quelque chose qui aurait pu expliquer le meurtre d'Alexandre? Oh mon Dieu, parce que vous pensez que... Je pense pas, madame, j'enquête. Dites-moi la vérité, il s'est passé quelque chose ce soir-là? Il y a eu une dispute entre Alexandre et Jérôme Castro. Ils se sont pas battus, hein, mais Jérôme avait l'air vraiment très en colère. C'était assez violent, tellement d'ailleurs qu'Alexandre a préféré partir. Mais vous savez pourquoi ils se disputaient? Non, j'étais trop loin pour entendre, mais bon, je me doute un petit peu de la raison. Quand on était en terminale, Alexandre avait organisé un spectacle de magie pour fêter le bac et son numéro a été un fiasco. Fanny, une de nos amies, a été blessée à la tête. Elle est devenue aveugle. Quel rapport avec Jérôme Castro? Fanny, c'est la femme de Jérôme. Vous savez où est-ce qu'on peut les trouver? Oui, dans la salle de réception, je vais vous accompagner. En tout cas, comptez pas sur moi pour pleurer sur sa mort. Si vous voulez mon avis, il a eu que ce qu'il méritait. Pour être franc, votre avis, je m'en fiche. Je veux simplement savoir pourquoi vous avez agressé la victime. Je l'ai pas agressé. Je l'ai un peu bousculé, histoire de remettre les pendules à l'heure, c'est tout. Et qu'est-ce qui a déréglé votre coucou? Non seulement ce connard se pointe à la soirée, mais en plus il a le culot de nous inviter, ma femme et moi, à son spectacle. Vous vous rendez compte? Ma femme est aveugle à cause de lui. Elle aurait même pas pu le voir, son foutu spectacle. Et après? Quoi après? Ah, vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Vous croyez franchement que j'aurais risqué de perdre ma famille? J'aurais risqué d'aller en prison pour un as comme Alexandre? Bon, c'est nous qui posons les questions, monsieur Castro. Alors vous étiez où après la fête? Il était avec moi. Après l'esclandre de Jérôme, j'avais aucune envie de m'éterniser ici. Mon mari m'a ramené à la maison, il est resté auprès de moi. À cause de son handicap, je suis obligé de m'occuper constamment de Fanny. Je fais de mon mieux pour lui rendre la vie plus facile, mais enfin, ça, c'est pas toujours évident. J'ai connu des femmes qui ont menti pour protéger leur mari. Écoutez, commissaire, je me doute de ce que vous devez penser. Et je dis pas que j'ai pas détesté Alexandre pendant des années. Mais j'avais fini par lui pardonner. Mais c'est tout à votre honneur, madame, surtout qu'Alexandre a quand même brisé votre vie. Sans cet accident, j'aurais peut-être jamais épousé Jérôme et j'aurais pas eu mon fils. Vous croyez que ma vie aurait été meilleure? Un instant. Vous les reconnaissez? Les tags dans la loge d'Alexandre Clémier. Ouais. Ah, madame Frayère, vous savez qui a dessiné ces tags, là? Oui, c'est un élève de l'établissement. Son nom, s'il vous plaît. Nathan Castro. Ah, comme le monde est petit. C'est bien votre fils, n'est-ce pas?
Et il est où maintenant? À la maison. Bien. Qu'il allait filer par derrière. Dommage pour toi et heureusement pour nous, tu n'as pas eu le temps de te débarrasser du sweatshirt. Le labo est déjà en train d'analyser le sang, mais j'ai pas besoin d'attendre le résultat pour savoir à qui il appartient. Je sais très bien que c'est toi qui as vandalisé la loge. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as voulu venger ta mère? Mais vous savez pas ce que c'est que d'être le fils de l'handicapé? De pas pouvoir faire ce que les autres font avec leur mère? De devoir encaisser les moqueries, d'être obligé d'apprendre à se débrouiller tout seul avant de savoir marcher? Bah dis donc, et ta mère, tu y as pensé? C'est quand même pour elle que c'est le plus difficile, non? Vous croyez que ça me fait pas du mal de la voir comme ça? Dépendante de moi et de mon père? Même pour sortir, elle peut pas aller loin. Sa vie, c'est une prison. Tout ça, c'est la faute d'Alex King. Et maintenant qu'il est mort, tu te sens comment? Soulagé? Tu crois que ça va consoler ta mère si t'es accusé de meurtre? Attendez, vous avez raison pour la loge, mais je l'ai pas tué, ok? Je vous jure que c'est la vérité. Mais Nathan, j'aimerais bien te croire, mais le sang sur tes vêtements va indiquer le contraire. Mais c'est parce que j'ai fait la connerie de le toucher. Après avoir tout défoncé dans sa loge, j'étais encore énervé. Je voulais défoncer son matériel. C'est comme ça que je suis tombé sur lui. Alexandre Kremer? Oui, il était allongé au milieu de la scène. Je l'ai touché pour voir s'il respirait. Il y avait du sang, il y avait plein de sang. Un truc de dingue, comme dans les films. Il était déjà mort? C'était la première fois que je voyais un cadavre. J'ai flippé et je me suis tiré. Oui, tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qui me prouve que tu l'as pas tué? Si vous me croyez pas, alors c'est foutu. Je dis pas que j'aurais pas eu envie de lui faire du mal. C'est même ce que je voulais quand je l'attendais sur le parking du lycée. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Je l'ai suivi en scooter, il s'est arrêté devant une maison. Je me suis dit que c'était l'occasion idéale, il y avait pas un chat, j'avais qu'à sortir ma batte. J'ai eu la trouille. Encore plus quand j'ai vu chez qui il allait. Chez qui? Guimond, mon prof de physique. Ils sont engueulés avant que Guimond laisse entrer. Nathan Castro n'est qu'un gamin en colère. Il n'aurait jamais eu le courage de s'attaquer à Alexandre Kremer, encore moins de le tuer. Vous savez quelque chose sur ce Rémy Guimond, là? Bah, il était déjà prof au lycée Jean Mermoz quand Alexandre Kremer y étudiait. Mais le plus intéressant, c'est que Guimond l'a attaqué en justice il y a 2 ans. Il accusait Alexandre de lui avoir volé un tour de magie. Mais quelle raison a pu le pousser à l'attaquer pour plagiat? Parce que le prof en question se contentait pas de lui donner des cours de sciences. Tiens donc. J'ai téléphoné à Élodie Vareux, qui m'a dit que Guimond a toujours été un passionné de magie. C'est lui qui a repéré le potentiel d'Alexandre et lui a tout appris. Le célèbre Alexandre King aurait donc volé son tour à son mentor. C'est pas ce qu'a conclu le tribunal. Guimond a été débouté en première instance et il y a laissé des plumes. Et d'après sa productrice, il aurait promis que les choses en resteraient pas là. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je suis curieux de savoir comment a réagi Guimond quand son ancien disciple a sonné à sa porte hier soir. Vous êtes Rémy Guimond? Dernière nouvelle, c'est toujours le nom inscrit sur ma boîte aux lettres. On aimerait vous poser quelques questions sur Alexandre Kremer. Vous
J'avais écouté les actualités, Alexandre est mort. Alors s'il n'y avait pas d'autres mauvaises nouvelles à annoncer, moi j'ai du tri à faire. Attendez, j'ai un gros défaut, c'est que je ne suis pas d'un naturel très patient. Et là vraiment, je suis à mon maximum. Alors, si vous voulez jouer le malin, on va continuer cette conversation, commissariat. Ah bon, parce que vous me considérez comme suspect, c'est ça? Bah, fallait me le dire plus tôt, je vous aurais fait du thé, on aurait discuté tranquillement autour d'une tasse, hein? Nous savons qu'il est venu chez vous hier soir et que vous aviez des raisons de lui en vouloir. L'élève qui dépasse le maître, c'est pas très facile. Attendez, je vous arrête tout de suite, là. J'ai jamais été jaloux d'Alexandre, jamais. Ce garçon avait du talent et méritait son succès. Pourtant, vous l'avez toujours considéré comme un usurpateur. Élodie Vareux nous a parlé du procès qui vous a opposé à lui il y a 2 ans. Ça, le contraire, m'est étonné. Cette petite peste a toujours le chic pour balancer des potins sur tout le monde. En tout cas, si elle vous a dit que j'étais en colère contre lui, elle avait raison. J'ai tout donné, moi, à ce moment. Qu'est-ce qu'il a fait pour m'en remercier? Rien, sinon, poignarder dans le dos, piquant une demi-heure trop de magie. Sauf que vous avez perdu votre procès. Ce qui, théoriquement, veut dire qu'il n'y a pas une bonne. Suivant que vous soyez puissant, misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Les tribunaux n'ont pas changé depuis La Fontaine, mademoiselle. Et comme il avait les meilleurs avocats, j'ai combattu, j'ai perdu. C'est la vie. C'est ça que vous cherchiez? Le souvenir d'Alexandre? Quel gâchis. Il était tellement doué, le petit. Vous étiez très proche de lui? J'ai jamais eu d'enfant. Je crois que j'ai toujours considéré Alexandre comme mon propre fils. Vous avez dû être surpris de le voir débarquer après tant d'années. Un témoin m'a dit que vous vous étiez disputé. J'avoue, j'ai pas très bien réagi en le voyant sur le pas de ma porte. J'ai essayé de le chasser, il a pas voulu bouger. Mais quelque chose d'étrange dans son regard. Comment ça? Comme s'il avait changé, quoi. Mais il voulait quoi, au juste? Je crois qu'il voulait faire la paix. Ça paraît insensé, mais il s'est excusé pour la façon dont il s'est comporté avec moi toutes ces années. Et puis, il m'a dit aussi qu'il regrettait d'avoir volé mon tour de magie. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce qu'il m'a offert hier pour se faire pardonner. Voilà. Ça fait beaucoup d'argent. Ouais, 40 000 euros. C'est le montant exact des dommages et intérêts que j'ai réclamé à Alexandre lors du procès. Et vous n'avez pas trouvé bizarre qu'il revienne pour s'excuser et vous remettre autant d'argent? Bien sûr que si. Il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin. Il a ouvert son sac et m'a donné les billets. Quel sac? Le sac qu'il avait avec lui hier soir. Il était rempli de billets de banque. Je comprends pas. Nos équipes ont ratissé la salle des fêtes et aucun sac n'a été retrouvé. Et dans la chambre d'hôtel? Pareil. Je l'ai fouillé tout à l'heure et il n'y avait rien, à part quelques vêtements dans la penderie. Mais ce sac, c'est quand même pas volatilisé. Quelqu'un l'a sûrement volé. On va vérifier les comptes bancaires d'Alexandre Kremer. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que ça sera aujourd'hui? Des entrecôtes, comme d'habitude? Non, je vais plutôt opter pour le turbo et sa fondue de poireaux. Mais quoi? C'est parce que je déjeune ici tous les jours que je dois forcément manger la même chose. Oui, mais quand même, du turbo. Des poireaux? Oh, d'accord. D'accord. Il y a plutôt dans le gaz avec Capucine. Je trouve que j'ai grossi, que je me laisse aller. Elle me met la pression et ça risque d'exploser. Ah ben voilà ce qui arrive quand on est avec une Linette qui a 10 ans de moins. Ben merci pour le soutien. Je t'en prie. Je me farcis des légumes vapeur et du poisson tous les soirs, ma vie est à l'enfer. Bon, ben, je vais te mettre de la salade en accompagnement. De la salade? Il y a du beurre dans les poireaux. Ah ouais, il y a du beurre dans les poireaux. Mon commissaire et mon procureur, je savais bien que je vous trouverais là. Bonjour, Florence. C'est affreux ce qui est arrivé à Alex King, quand je pense que j'avais réservé 2 places pour son spectacle. T'avais l'intention d'y aller avec quelqu'un en particulier? Disons que je comptais inviter mon informateur favori. Tu crois qu'il peut s'acheter si facilement? Ah non, c'est un incorruptible. Mais ça pourrait s'arranger. Il avait l'intention de t'inviter à dîner ce soir. Il trouve que sa fille n'a pas le moral et que ça lui ferait beaucoup de bien de voir du monde. C'est bizarre, il m'avait pas dit qu'il avait des enfants. Oh. Je te taquine, Simon. Bien sûr que je viendrai dîner chez toi. À une condition, c'est que tu me rencardes sur le meurtre d'Alex King. La déontologie m'interdit tout commentaire sur une affaire en cours. Et si je te dis que je connais des choses qui peuvent t'intéresser et que tu as devant toi la journaliste qui a fait le dernier interview du grand magicien? Là, elle t'a piégé, Simon. Alors, qu'est-ce que tu sais? Je veux un accès exclusif à l'enquête. Mais alors, je t'interdis absolument de publier le moindre papier tant que l'affaire n'est pas terminée. Deal. Ok. J'ai rencontré Alexandre Kremer hier matin. On a surtout parlé magie, mais il m'a fait quelques confidences. Il comptait mettre sa carrière en stand-by pendant quelques temps. Il voulait prendre sa retraite?
te raconterai ça plus tard, je suis pressée. T'oublies pas notre deal. À ce soir. Bon appétit. Merci. Bon, je viens de parler au directeur de la banque de Seignac. Il n'y a eu aucun mouvement sur le compte personnel de la victime. Par contre, 100 000 euros ont été retirés sur celui de la société Alex King. Quand ? Il y a deux jours. Mais c'est pas Alexandre Kremer qui a effectué le retrait, mais Élodie Vareux, sa productrice. J'ai vraiment l'impression qu'elle ne nous a pas tout dit au sujet d'Alexandre. Emballé ? Non. Bah nous, non. Enfin, on a encore toute la machinerie à démonter. C'est la patronne qui repart à Paris. Lieutenant, fouillez-moi cette voiture. Je vais essayer de récupérer Élodie Vareux. D'accord. Et n'oubliez pas de faxer aux assurances tous les documents nécessaires pour l'indemnisation. On file à l'anglaise ? Mais pas du tout, commissaire. Je n'ai juste pas l'intention de rester une minute de plus dans ce trou perdu. Alexandre était une star, il n'aurait jamais dû revenir se produire à Seignac. Je ne suis pas tellement disposé à vous laisser partir. J'ai quelques questions à vous poser, notamment au sujet d'un retrait de 100 000 euros que vous avez effectué sur les comptes de la société Alex King. Votre sac a l'air bien lourd. Vous faites du voir. Abracadabra. Oh, on vous a pas dit que j'étais un peu médium. Mon instinct me dit qu'il y a 60 000 euros dans ce sac. Non? Commissaire, regardez ce que j'ai trouvé dans la boîte à gants. Un 9 mm, exactement le même calibre qui a tué Alexandre Kremer. C'est ridicule. Je pratique le tir sportif depuis des années. C'est un hobby comme un autre. Non, pas tout à fait, madame. Et se trimballer avec une arme dans votre boîte à gants, c'est tout sauf normal. Vous avez utilisé votre arme il n'y a pas longtemps, laissant la poudre. Oui. Je suis allée m'entraîner hier matin au stand de tir de Seignac. J'étais un peu stressée à cause du spectacle et c'est la seule chose qui me calme les nerfs. Et qui nous dit que vous n'avez pas passé vos nerfs sur votre ex-mari hier soir? Après tout, avec tous les éléments qu'on a contre vous, ça serait pas étonnant. Je vous préviens tout de suite, je ne dirai pas un mot sans la présence de mon avocat. Vos méthodes impressionnent peut-être les péquenauds du coin, mais je connais mes droits. Parfait. Économisez votre salive. De toute façon, c'est moi qui parle. En fait, j'avais raison, on a bien retrouvé 60 000 euros dans votre sac, ce qui, ajouté aux 40 000 euros de Rémy Guillemont, nous donne la somme rondelette de 100 000 euros. Le montant exact que vous avez retiré il y a deux jours. Quelle coïncidence, vous trouvez pas? Et puis le fait qu'on ait retrouvé le sac en votre possession, c'est très troublant, n'est-ce pas? Le sac qu'avait Alexandre après la soirée où vous étiez censé le voir pour la dernière fois. Votre train de vie aussi est assez impressionnant. J'ai examiné vos comptes ainsi que ceux de la société. C'est comme ça que j'ai retrouvé d'ailleurs la trace de plusieurs retraits suspects. Votre comptable s'est montré très bavard. Il m'a dit que votre ex-mari avait décidé de faire un audit sur les comptes de la société. Pourquoi? Il ne vous faisait plus confiance? Ou alors... peut-être qu'il vous a pris la main dans le sac, si j'ose dire. Je n'ai rien volé du tout. Cet argent était autant à moi qu'à lui. Je l'avais mérité, cet argent. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, Alexandre n'était qu'un petit illusionniste qui crevait de faim. C'est moi qui ai fait de lui une star. Et vous étiez prête à le tuer pour éviter qu'il se débarrasse de vous, c'est ça? Alors écoutez-moi bien, parce que je ne vais pas vous le dire deux fois. Je n'ai pas tué Alexandre. Même si nous étions divorcés, j'avais encore des sentiments pour lui. Et c'était réciproque. Il avait pourtant l'intention de vous balancer pour escroquerie. Comme preuve d'amour, j'ai connu mieux. C'est vrai qu'il était furieux quand il a découvert les irrégularités dans les comptes. Il a menacé de porter plainte. Mais il m'a pardonné quand je lui ai promis que je ne recommencerai plus. Si vous avez vraiment pardonné, pourquoi avoir pris le risque de retirer 100 000 euros? Parce qu'il me l'a demandé. Il avait besoin de liquidités. J'ai trouvé ça bizarre, mais il a refusé de m'expliquer pourquoi. Oui, bah, tout ça, c'est bien joli, mais ça n'explique pas pourquoi vous étiez en possession de son sac. Je l'ai trouvé dans la loge ce matin en arrivant. Je l'ai simplement caché avant l'arrivée de la police. Vous l'avez volé après avoir tué Alexandre. C'est très plausible. Il paraît que vous êtes parti très tôt dans la soirée.
Mais je ne suis pas partie seule, commissaire. J'ai passé la nuit avec Cédric Le Vigan, un de mes anciens copains de classe. Vérifiez si ça vous chante. Mais j'y compte bien, madame. Mais ça vous empêche pas de rester en garde à vue. Ces explications tiennent plus ou moins la route, mais j'ai l'impression qu'elles nous cachent quelque chose. Le problème, c'est que son alibi va être difficile à déboulonner. D'autant plus que le pédigré de Le Vigan en fait un témoin très fiable. Il possède un endroit où vont tous les notables du coin, le Kilian Club. Kilian Club ? Ouais, attendez. Ah, je me disais bien que j'avais vu ça quelque part. Le Kilian a un restaurant gastronomique et en feuilletant ses relevés de compte, j'ai remarqué qu'Alexandre Kremer y a payé une note de 300 euros jeudi midi. J'aimerais bien savoir avec qui il a déjeuné. Bonjour, monsieur. Commissaire Magellan, désolé de vous déranger, mais je dois m'entretenir avec monsieur Le Vigan. Rien de grave, je vous rassure. Je suppose que c'est au sujet d'Alexandre Kremer ? Oui, non, rien de grave. Une banale affaire de meurtre sans importance. Excusez-moi. Mon club reçoit des gens respectables qui n'ont pas l'habitude d'être malmenés, et j'apprécierais que vous vous montriez plus discret. Mais la discrétion n'est pas mon fort. Votre réussite force le respect. Il paraît qu'en plus, vous vous êtes fait tout seul, en partant de zéro. Et vous faites maintenant partie du petit cercle des notables de Seignac. Oui, mais contrairement à eux, je ne suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Ah. Mon père n'était qu'un modeste ouvrier à la menuiserie Kremer. Et maintenant, j'adorerais bavarder avec vous, mais mon temps est précieux. Alors, pourriez-vous en venir vous faire ? En quoi puis-je vous aider ? Où étiez-vous la nuit dernière ? Dois-je comprendre que je suis suspect ? Dans le cas contraire, rien ne m'oblige à répondre à votre question. Évidemment non, mais je serai obligé de revenir avec une convocation judiciaire. Écoutez, commissaire, je suis un homme marié. Et je ne voudrais pas que ma femme apprenne que... Que vous étiez en compagnie d'Élodie Vareux. Je ne suis pas fier de moi. Mais j'ai toujours craqué sur Élodie, un vieux fantasme adolescent. À moins qu'en couchant avec son ex-femme, vous ne vouliez défier Alexandre. Je n'aime pas du tout votre ton, commissaire. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais je n'ai jamais été jaloux d'Alexandre. Et pourtant, vous auriez eu des raisons de l'être. Ses parents étaient riches, votre père trimait pour le sien, et il sortait avec la plus belle fille du lycée, dont vous étiez secrètement amoureux, d'ailleurs. Nous n'étions pas du même monde, mais ça ne nous empêchait pas d'être amis. Et c'est au nom de cette belle amitié que vous lui avez réservé une table à votre restaurant. Avec qui déjeunait-il ? Avec son frère. Mais je croyais que Guillaume et Alexandre étaient fâchés. C'est un euphémisme. Et si vous voulez mon avis, ce déjeuner n'a pas dû arranger les choses. Le serveur venait d'apporter les entrées quand Guillaume s'est énervé et s'est mis à insulter Alexandre. Et pourquoi s'est-il énervé ? Aucune idée. Mais il a fait un scandale. Et quand Alexandre a essayé de le calmer, Guillaume lui a collé son poing dans la figure. Tout ce que j'ai entendu, c'est Guillaume qui disait à Alexandre qu'il ne voulait plus le revoir. Après ça, il est parti. Il l'a laissé payer la note. Merci. J'ai terminé les recherches sur Guillaume Kremer et le frangin a un tempérament sanguin. Après le divorce, son ex-femme a porté plainte pour harcèlement. Depuis, c'est la dégringolade et il bosse aujourd'hui au lycée Jean Mermoz comme employé. Ah bon ? Je croyais qu'il gérait la menuiserie de ses parents. Non, mais ça, c'était avant qu'il coule l'entreprise familiale. Il a déposé le bilan il y a 5 ans. Mais ça pourrait expliquer ce ressentiment vis-à-vis d'Alexandre. Je me demande pourquoi il nous a menti en prétendant qu'il ne l'avait pas vu depuis 18 ans. Guillaume est notre responsable technique. Il s'occupe de l'entretien et des réparations. Ce travail lui a permis de se remettre à flot. Il traversait une très mauvaise passe quand je l'ai embauché. Il venait de perdre la garde de ses enfants et il était au chômage depuis un an. Qu'est-ce qui vous a décidé à l'engager ? Je connais Guillaume depuis le lycée et je me suis sentie obligée de l'aider. C'est tout moi, ça. J'ai toujours aimé jouer les Saint-Bernard.
Vous savez, Guillaume a l'air d'avoir remonté la pente depuis qu'il travaille ici, alors j'espère qu'il n'est pas retombé dans ses mauvais travers. Vous inquiétez pas, on a juste quelques questions à lui poser. Par ici. Vous avez revu votre frère cette semaine. Pourquoi nous l'avoir caché? J'ai rien dit parce qu'il n'y avait rien à raconter. Alexandre avait un hématome sur le visage. Et un témoin m'a dit que vous vous étiez bagarré. Eh bien justement, j'ai eu peur que vous me colliez son meurtre sur le dos si je vous disais que j'avais frappé. Et j'ai raison à ce qu'on dirait. Et qu'est-ce que votre frère a bien pu vous dire pour vous mettre hors de vous? Que vous étiez aminable? Justement, c'est tout l'inverse. Il m'a appelé pour me demander pardon, il m'invite à déjeuner avec lui. 18 ans sans nouvelles, il m'invite au resto. Non, mais qu'est-ce qu'il croyait? Que j'allais l'accueillir à bras ouverts? Non, non, quand j'étais dans la dèche, il m'a laissé tout seul dans la merde. Même quand la menuiserie a coulé, il n'a même pas levé le petit doigt. Alors j'ai vu rouge, j'ai cogné. Je sais que c'était pas très malin, mais ça m'a fait du bien, putain. Et après, vous êtes défoulé. Vous l'avez revu ou pas? Vous savez, mon frère n'était pas du genre à laisser tomber. Comme ça, il est revenu à la charge le soir même. Mais j'étais pas chez moi. Il a glissé ça sous ma porte. Tenez. Il avait vraiment envie de se réconcilier avec vous. Mais quand vous l'avez vu, il vous a parlé de vous donner de l'argent? Quel argent? Votre frère avait retiré une grosse somme peu avant sa mort et il avait donné une bonne partie à son ancien prof, Rémi Guimond. Et il voulait peut-être vous donner le reste, après tout, 60 000 euros. C'est une belle somme. Ça m'étonnerait. Avec le temps, j'ai appris qu'il fallait jamais compter sur Alex, jamais. Touchez pas à ça, s'il vous plaît, c'est fragile. C'est vous qui les avez sculptés? Bah ouais. Pourquoi ça vous étonne? Faut croire que je suis pas complètement raté. Ou alors que j'étais plus doué pour les sculptures sur bois que pour gérer une menuiserie. Vous êtes sûr? Très bien, merci. Bon, c'était le labo. Ils ont analysé le colt d'Élodie Vareux et c'est pas l'arme du crime. D'après la balistique, la balle proviendrait d'un Luger. Luger? Mais c'est une arme de la Seconde Guerre mondiale, ça. Ouais, certainement une pièce de collection qui va être difficile à tracer. Bon, en tout cas, on peut rayer Élodie Vareux de la liste des suspects. Non, pas complètement. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans le profil d'Alexandre. Il avait tout l'air d'un égoïste sans scrupules avant d'arriver à Seignac. Après, il indemnise Guillemont. Il essaye de se rabibocher avec son frère. Il dit à la presse qu'il va mettre sa carrière entre parenthèses. Vous trouvez pas ça contradictoire, vous? Ouais, peut-être que Guillemont avait raison et qu'Alexandre avait changé. Sauf que personne ne devient un bon samaritain d'un jour à l'autre, à moins d'être en rédemption. Oui. Patron, Madame Vareux. Asseyez-vous, madame. Nous avons récupéré le dossier médical d'Alexandre. Il ne prenait pas des antidouleurs pour soigner son hernie discale, mais parce qu'il souffrait d'un cancer incurable. Pourquoi nous l'avoir caché? Parce que je n'avais pas le choix. Alexandre avait menti aux compagnies d'assurance qui assuraient la tournée. Et s'ils avaient découvert le poteau rose, ces rapaces en auraient profité pour annuler la tournée. Sans rembourser les pertes du spectacle. Alors adieu, vos vaches cochons. Vous me prenez pour un monstre, mais vous n'imaginez pas comme les sommes en jeu sont importantes. Tout ce que je vois, c'est qu'on a perdu du temps avec vous. Autre chose que vous nous cachez? Alexandre ne dormait pas dans le même hôtel que toute l'équipe. Mais je comprends pas. Mon adjointe a fouillé sa chambre au grand hôtel de Seignac. C'était une mise en scène. La santé d'Alexandre s'était dégradée et il ne voulait pas qu'on le voie malade. Alors il a décidé de louer une seconde chambre dans un autre hôtel. Si je vous en avais parlé ce matin, j'aurais dû évoquer sa maladie. Mais où logeait-il? Je sais pas. Je vous le jure, il a refusé de me le dire. Vous pouvez partir. Mais je vous demande de ne pas quitter la région. Je suis sûr que les péquenauds du coin, comme vous dites, feront preuve d'hospitalité. Une dernière chose. Je vais naturellement transmettre le rapport d'autopsie à votre assureur. Au revoir, madame. Au revoir, commissaire. Maintenant que nous savons qu'Alexandre était malade, je comprends mieux sa soudaine philanthropie. En fait, son spectacle n'était qu'un prétexte pour revenir à Seignac. Il était là pour se faire pardonner et mourir en paix. J'ai épluché ses relevés de compte et j'ai trouvé aucune trace d'un paiement d'une chambre d'hôtel. Alexandre a dû payer en liquide. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Appelez tous les hôtels de la région pour savoir si un célèbre illusionniste ne louait pas une chambre dans leur établissement. Mais vous inquiétez pas, le commissariat a un forfait illimité. Oui, mais c'est pas comme mes heures de sommeil, je risque d'y passer la nuit, là. Et pensez plutôt à moi. Cordelia s'est mise à la cuisine et je crains le pire.
Ah, tout s'est bien passé, Madame Muscat? Plus jamais. Aïe, aïe, aïe. Je crois que tu vas être obligé de changer de babysitter. Ouais. Dis donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Madame Muscat? Rien. Mais... Ah, salut Florence. Salut. Est-ce que t'aimes la blanquette? J'adore. Ah, c'est la recette de ta sœur? Bah oui, mais j'ai un doute sur le dosage. Tiens, viens, tu veux bien goûter? Bah oui, fais voir. Oh là là. Alors? Ben, que comme tu dirais, c'est original. On sent bien ta petite touche personnelle. Ah, génial. Je vais me changer vite fait tant que ça mijote. Oui. C'est hyper salé. Donne-moi un verre d'eau. C'est crade. Tiens, je vais essayer de la délayer. Oh. T'attends quelqu'un? Non. Paul, c'est Capucine. Elle m'a mis à la porte. Oh, c'était juste trois petites rondelles de saucisses. Mmh. Bon, ok, c'était le sauciflarant qui est bon. J'en pouvais plus de son régime hypocalorique, alors j'ai craqué. Enfin, Paul, on quitte pas quelqu'un pour trois rondelles de saucisson. Il y a forcément autre chose. Non, non, mais tu comprends pas. Ce régime pour Capucine, c'était un ultimatum. Le signe que j'accepterais de changer pour elle, que j'oublierais ma maniaquerie du ménage, les cigares ou je sais pas quoi encore. Écoute, je veux pas te faire de la peine, Paul, mais je pense que c'est plus profond que ça. Ce qu'elle attendait, Capucine, c'est que tu t'engages. Pas seulement sur un régime. Mais enfin, tout de même, bazarder 50 vies communes sur un coup de colère, tu trouves ça normal, toi? Vous comprenez rien à la psychologie féminine, ah, c'est mal. Dingue. Mais non, mais ça va un temps de s'amuser. Il y a un moment, on veut des preuves d'engagement. Ce maudit saucisson a scellé la fin de ma relation avec Capucine. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Abandonner sans lutter? J'aurais voulu que tu la vois, elle s'est transformée en dragon. Tout juste, elle m'a projeté ma valise à la figure. Alors tu as eu l'idée de venir squatter chez ton vieil ami Simon? J'ai oublié mon portefeuille à la maison. J'avais pas de quoi payer l'hôtel. Bah, et c'est pas plus mal. Au moins, ici, on va te bichonner et tu pourras manger tout ce que tu voudras. T'as rien contre la blanquette? Bon, c'est mon plat préféré, tu plaisantes? Bah alors, tout va bien. Un petit peu d'eau, peut-être. Elle est pas bonne, ma blanquette? Bonne nuit, Florence. Tu sais qu'il y a un lave-vaisselle. Ah, comme je le disais toujours à Capucine, rien ne lave mieux que des doigts de fée. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs. Non, mais attends, je vais bien, Simon. Je vais extrêmement bien. Faut juste que je termine cette vaisselle. Bien, finis cette vaisselle, alors. Bonne nuit, Paul. À demain, Capucine. Caché encore longtemps? Écoute, Barbara, fous-moi la paix, c'est pas le moment. Tu m'excuseras, mais quand la police débarque dans mon lycée, j'estime que j'ai le droit de savoir ce qui se passe. Mon frère est mort, au cas où tu l'auras oublié. Non, mais c'est bien ce qui m'inquiète, Guillaume. Ces policiers ne sont pas venus t'interroger par hasard. Qu'est-ce qu'ils savent, au juste? Mais rien. Cet enfoiré de Le Vigan est allé leur raconter que je m'étais battue avec Alex. Voilà, t'es contente? Tu as revu ton frère et tu ne m'as rien dit? Enfin, Barbara, on n'est pas mariés. Non, mais tu aurais dû m'en parler. J'espère que tu n'as pas fait la bêtise de tout lui raconter. Bon, faut que j'y aille. Le sol est passé, Capucine. Tu vas laisser des traces. Paul. Oh, Simon,
Et quelle heure? Mais il est 8h30, tu vas être en retard. Ouais, je suis pas certain d'aller travailler là, c'est dimanche, non? Et puis je me sens un peu souffrant. Mais fallait pas jouer les Cendrillon toute la nuit. Alors tu vas te doucher et tu vas me rejoindre chez Nabil pour déjeuner, c'est compris? D'accord. Il a pas l'air d'aller très bien. Essaye de lui changer les idées. Oui, écoute là-dessus. Je vais te le remonter à bloc, moi. Oui, mais enfin, pas trop. Oui, lieutenant, oui. Formidable, j'arrive tout de suite. Bravo, lieutenant. Alors, c'est ici que se cachait Alexandre Crémer. Oui. Beaucoup moins chic que le grand hôtel de Seignac, mais le bâtiment a du charme. Oui, c'est loin de la ville. Et surtout, c'est très pratique pour échapper aux regards indiscrets. Bah, d'après la gérante, Alexandre Crémer est arrivé il y a 5 jours. Il était seul, mais il a insisté pour avoir la chambre numéro 11. Et j'ai déjà la clé. C'est ce que je vois. Décidément, vous êtes bien comme ma fille, incapable de résister à un ordinateur. Ouais, ça doit être mon côté geek. Geek, c'est ça, ouais. Moi, je préfère les bonnes vieilles méthodes. Ce coffre devait contenir une arme. Un petit calibre genre 9 mm. Ça vous rappelle rien? L'arme du crime? Possible, ouais. Ce qui tendrait à prouver qu'Alexandre a été tué avec sa propre arme. Comment ça se fait qu'il en avait une? J'ai trouvé aucun permis à son nom. Ça pourrait nous éclaircir. On le faisait chanter. Si tu veux pas que je balance ton secret, ce sera 100 000 euros, tu peux garder la photo. Le message a le mérite d'être clair. Je crois qu'on s'est trompé sur la destination des 100 000 euros. Je comprends pas, Alexandre a pourtant donné de l'argent à Guimond. Mais visiblement, il a changé d'avis. Il a refusé de payer le maître chanteur. Il y avait pas une photo avec la lettre? Je la trouve pas. La patronne vous a bien dit qu'il avait exigé cette chambre. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. On aurait quelques questions à vous poser au sujet de M. Crémer. Vous le connaissiez? Bien sûr. C'était pas la première fois qu'il séjournait dans notre établissement. Il était déjà venu. Ça date de quand? Je sais pas. Je devais avoir 10 ans. Oui, il y a 18 ans environ. Attendez une seconde. C'est vous sur la photo? Oui, c'est moi. Vous avez l'œil. À l'époque, c'était mes parents qui tenaient l'hôtel et je n'étais qu'une gamine. Je passais mon temps à asticoter M. Crémer. Il était seul? La plupart du temps, oui. Mais il lui arrivait de venir avec une femme. Toujours la même et toujours en journée. Voyez-nous la décrire. Je me souviens qu'elle était aveugle. Merci. Au revoir. Fanny Castro aurait couché avec l'homme qui l'a rendue aveugle. Ça paraît insensé. Sauf si elle l'aimait. J'ai bien senti la façon dont elle parlait d'Alexandre quand je l'ai interrogée. Mais ce serait pour ça qu'on ferait chanter Alexandre Crémer? Ça, lieutenant, il est encore trop tôt pour le dire. Commissaire? Oui? Et qu'est-ce que c'est? En consultant son agenda, j'ai remarqué qu'Alexandre avait un rendez-vous chez un notaire hier matin. Évidemment, il n'a pas pu y aller. J'ai téléphoné au cabinet et la secrétaire m'a dit qu'Alexandre avait fait rédiger un testament. Il m'a envoyé une copie. Tenez. Regardez qui est le principal héritier. Il n'y a personne. Thank you.
Votre mari et votre fils ne sont pas là? Nathan a un match de foot ce matin. Et Jérôme est allé le voir jouer. Vous prendrez du sucre? Non, merci. Non. Votre mari exagérait hein, quand il disait que vous étiez incapable de vous débrouiller sans lui. Oh, bah, je... Le complexe du mal protecteur. Jérôme me voit toujours comme une petite chose fragile. C'est adorable, mais je suis aveugle, pas impotente. Avec le temps, j'ai appris à me repérer dans cette maison. Chaque chose a sa place, et j'en connais les moindres recoins. Ça doit être moins facile dans le monde extérieur. Nathan m'a dit que vous ne pouviez pas vous éloigner de la maison. C'est vrai. J'arrive à me déplacer sur des courtes distances quand je connais le parcours. Mais sinon, je suis perdue. Et vous allez où? Au jardin municipal. J'aime m'asseoir sur un banc et profiter du soleil. C'est agréable d'avoir de la compagnie. Mais je doute que vous soyez venu pour prendre le thé. Vous saviez qu'Alexandre avait décidé de faire de Nathan son héritier principal? Oui, je suis passé au registre de l'état civil. La dernière fois qu'Alexandre Crémer est venu à Seignac, c'était en mai 96 pour l'enterrement de sa mère. 9 mois après, vous accouchiez d'un garçon. Merci. J'ai toujours su que ce moment finirait par arriver. Oui, Nathan est bien le fils d'Alexandre. Mais c'était pas la première fois qu'on couchait ensemble. Plutôt la dernière. Au moment de mon accident, je sortais déjà avec Alex. J'étais folle de lui. Et quand il m'a demandé d'être son assistante pour le spectacle de fin d'année, j'ai tout de suite dit oui. Le numéro a mal tourné et quand les médecins m'ont annoncé que j'étais aveugle, notre monde s'est écroulé. Le vôtre plus que le sien. Sûrement. Il n'empêche qu'Alex s'en voulait terriblement et qu'il m'a juré de rester avec moi. Mais ça, je pouvais pas l'accepter. Il était hors de question qu'il renonce à ses rêves à cause de moi. Je l'aimais trop pour ça. Et vous avez rompu. Je lui ai rendu sa liberté. Et votre mari dans tout ça? Pendant 2 ans, Jérôme est venu, chaque semaine. Il se montrait attentionné, tendre et... J'ai fini par accepter quand il m'a demandé en mariage. Mais vous ne l'aimiez pas. Enfin, du moins, pas comme Alexandre. Et quand il est revenu à Seignac, vous avez craqué. Ça fait déjà été amoureux, commissaire? Oui, une fois, mais j'étais jeune et inconscient. Alors vous comprenez si je vous dis qu'on ne tombe amoureux qu'une fois dans sa vie? Jérôme n'est pas Alexandre, mais j'ai appris à l'aimer avec le temps. Et je suis pas fière de l'avoir trompé, croyez-le bien. Mais je pouvais pas résister à Alexandre. C'était comme un tourbillon qui revenait balayer toutes ces années où j'avais été plongée dans le noir. Madame Castro, nous ne sommes pas là pour vous juger, hein, mais pour élucider un crime. Et le fait qu'Alexandre ait rédigé un testament quelques jours avant sa mort me laisse à penser qu'il venait d'apprendre que Nathan était son fils. Je n'aurais jamais rien su si ce corbeau s'était pas mêlé de ses affaires. Vous étiez au courant pour ce chantage. Alexandre est venu vous voir, n'est-ce pas? Le salaud qui lui envoyait cette lettre menaçait de tout révéler à mon mari. Jérôme a élevé Nathan comme son propre fils. La vérité les aurait anéantis tous les deux. J'avais pas d'autre choix que d'avouer Alexandre. Et comment il a réagi? Très mal. Il m'a reproché de lui avoir menti. Je l'ai supplié de rien dire à Jérôme et de pas entrer en contact avec Nathan. Et Alex a fini par se calmer. Il m'a dit qu'il était prêt à payer pour me protéger. Tout ce qu'il voulait, c'était savoir à qui j'en avais parlé. Et vous lui avez dit? Oui. Je lui ai dit que Barbara était la seule personne à être au courant. Barbara Frélien, la proviseure? Barbara est ma meilleure amie, je la connais depuis l'école primaire. Et je sais qu'elle trahirait jamais mon secret. Jamais. C'est pourtant ce qui s'est passé, d'une manière ou d'une autre. C'est clair qu'elle n'a pas vraiment le profil du maître chanteur. Hein. Mariée, mère de 2 enfants, pas de dettes. Oui, une citoyenne modèle. Vous pensez qu'elle a rien à voir avec le chantage? C'est une amie fidèle, mais quelqu'un a pu très bien profiter de sa gentillesse. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de tirer à pile ou face. Gentil flic, méchant flic. Face. Face, bon, tape, méchant flic. Oh. A fait une tête de méchant flic. C'est proprement scandaleux. Comment pouvez-vous insinuer que j'ai pu faire une chose pareille? Vous avez remué ciel et terre pour qu'Alexandre Crémer participe à votre fête des anciens.
Maintenant qu'on sait que vous aviez prévu de le faire chanter, on comprend mieux votre acharnement. Je refuse d'entendre ça. Je ne sais pas ce que Fanny vous a raconté, mais elle se trompe. Je me souviens encore de l'état dans lequel elle était quand Alexandre est parti, en la laissant enceinte. Quel genre d'ami utiliserait une telle confidence? Pourquoi? Pour du chantage? Non, mais je vous le demande. Une personne sans scrupules. Admettons que vous nous disiez la vérité. Si ce n'est pas vous qui faisiez chanter Alexandre, vous avez peut-être confié ce secret à une personne moins scrupuleuse. Un secret est un secret. Je n'en ai parlé à personne. Quelqu'un en qui vous avez confiance, Guillaume Crémer, par exemple. Je vous l'ai déjà expliqué, Guillaume est mon ami. Votre ami ou votre amant? Regardez, ces signes sculptés dans le bois, c'est magnifique. Hein. Quel romantisme. C'est Guillaume qui vous avait donné ça, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes une femme mariée et que vous ne voulez pas détruire votre famille. Mais si j'ai raison, votre ami Guillaume est dans de sales draps. Et le seul moyen que vous avez pour l'aider, c'est de nous dire la vérité. Si c'est bien Guillaume qui a tué Alexandre, il s'est dit qu'il toucherait bien plus de 60 000 euros en empochant l'héritage. Non, mais c'est machiavélique. Ouais. Ah. Un petit script, maintenant. Policier dans l'exercice de ses fonctions, chantage, meurtre, félicitations, vous venez de gagner un long séjour à l'ombre. Non, attendez, un bon avocat, ça coûte du pognon. Moi, si je voulais récupérer mes mômes, c'est pas avec mon salaire de merde là que j'aurais pu le payer. Vous auriez pu demander à votre frère de vous aider. J'étais sûr qu'il me dirait non. Dernière carte qui me restait, c'était le chantage. Vous avez vraiment cru qu'il allait vous payer? Ben ouais, je me suis dit qu'il aurait encore des remords pour l'accident de Fanny. Et qui cracherait le blé si je me laissais tout balancer à Jérôme. Votre frère s'est montré plus malin que vous. Il avait découvert que vous couchiez avec Barbara. Il a reconstitué le puzzle. Mais enfin, quand même, il devait être très furax de s'apercevoir que c'était vous, le maître chanteur. Ah bah, c'est au contraire. Il était fou joie que Nathan soit son fils. C'est ça, j'ai une tête avalée des bobards. C'est la vérité, putain! Écoutez, commissaire, mon frère était mourant. Il avait un cancer. Et c'est pour ça qu'il voulait qu'on fasse appel tous les deux. Toute ma vie, j'ai attendu ça. Qu'il me dise enfin qu'il m'en voulait plus pour l'accident de Fanny. Mais quel rapport avec l'accident de Fanny Castro? Bah, quand on était môme, c'est moi qui vérifiais le matos avant les spectacles d'Alex. Les accessoires, les lumières, tout ça, c'était mon job. Alors quand Fanny a été blessée... Il vous a accusé de négligence. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous étiez brouillés tous les deux, en fait. Ah non, mais c'était pas de ma faute, hein. Après l'accident, je lui ai juré que j'allais pas merder, mais il a pas voulu me croire. Jusqu'à ce qu'il vienne vous voir chez vous et vous pardonner. Et vous savez pour quelle raison il a changé d'avis, enfin, en dehors de sa maladie? Mais je lui ai dit qu'il savait que c'était pas de ma faute. Alors je sais pas ce qu'il avait découvert, mais il avait l'air sûr de lui. D'ailleurs, il m'a foutu la trouille. Comment ça? Bah, il m'a demandé de lui refiler le Luger. Le flingue qu'il avait piqué à mon père pour son spectacle de fin d'année, là. Vous êtes en train de me dire que c'est vous qui avez donné l'arme à votre frère? Une arme qui avait déjà blessé Fanny Castro? Bah ouais. Le Luger était à mon père, j'en ai hérité à sa mort. Ce qu'Alex en a fait après, j'en sais rien, moi. Ça m'aurait fait plaisir, si je faisais la muscu. Ça servira à rien, plus. Habile, j'ai mis dehors, hein. Ça lui fera du bien, au soleil. Il est un peu pâle, notre polo, hein. Et tu pourrais pas le prendre chez toi quelques jours, moi j'en peux plus, vraiment. Paul! Tu rigoles? La dernière fois que j'ai hébergé, j'ai failli le tuer. Il m'a rendu dingue. À tout ranger, tout le temps. Je te remercie, Nabil. Je t'en prie. En tout cas, t'as meilleure mine qu'hier. Ah oui? Tu trouves? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Quand t'as accordé Léa... Elle t'a fait des misères. Ah, disons que c'est la digne fille de son père. Elle m'a pas lâché de la matinée. Je soupçonne même quelqu'un de lui avoir demandé de me chaperonner. Non, mais Cordelia est un peu triste depuis que Juliette est partie. Alors j'ai pensé que ça vous ferait du bien de passer un petit moment ensemble. Ouais.
Bon, parlons plutôt de notre affaire. Tu as enfin coincé le coupable ? Guillaume Crémer n'a pas tué son frère. Oh. Non, non, mais laisse-moi finir. Il savait qu'Alexandre était malade et qu'il n'avait plus que quelques mois à attendre pour toucher l'héritage. Mais son témoignage nous a permis d'orienter l'enquête vers une nouvelle direction. Savoir laquelle ? L'accident de Fanny Castro. Il semblerait qu'Alexandre s'y intéressait, à tel point qu'il a même récupéré le Luger qu'il avait utilisé pour son spectacle en 85. Alexandre Crémer a été tué avec la même arme que celle qui a blessé Fanny Castro. Alors, c'est très très fort comme coïncidence. Mais c'est tout sauf une coïncidence, Paul. Alexandre tramait quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort. Et tu veux rouvrir l'enquête sur Fanny Castro ? Si j'ai bien suivi. Ça fait presque 30 ans que le dossier est bouclé. Ah, oui. C'est là qu'on va avoir besoin de toi, Florence. Oui. Il se trouve qu'il y a 8 ans, il y a eu un dégât des eaux au commissariat qui a complètement détruit les archives. Et le rapport d'enquête sur Fanny Castro est inutilisable. Comme la Sentinelle a numérisé ses archives, tu comptes sur moi pour t'ouvrir les portes du temple, c'est ça ? Non, pas à moi, à Selma. J'aimerais que tu lui donnes un petit coup de main. Quant à moi, j'ai rendez-vous avec un as de la magie, Rémi Guillemot, le mentor d'Alexandre. Il y a très longtemps, je n'ai pas toujours très bonne mémoire, mais j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est quoi ? L'enregistrement du spectacle de fin d'année d'Alexandre. Vous voyez ? Le fameux spectacle. Merci. Attention, attention. Et hop. Mademoiselle Fanny, s'il vous plaît. Comment un accident pareil a-t-il pu se produire ? La prudence n'a pas sa place dans le monde des illusions. C'est le secret de la magie, c'est de faire croire au spectateur que tout ce qui est faux est vrai. Donc en l'occurrence, Fanny devait se faufiler par une trappe sous la scène. Sauf que la trappe était bloquée. C'est le frère d'Alexandre qui avait la responsabilité. Et Fanny s'est retrouvée piégée. Lieutenant ? Vous vous souvenez de ces plans dans l'ordinateur de la victime ? Bien sûr. Cette boîte ressemble beaucoup à celle dans laquelle se trouvait Fanny Castro au moment de son accident. Oui, mais ce fichier est récent. Il a été créé il y a 3 jours. Ouais, la tournée d'Alex King devait s'achever ce soir à Seignac. Je me demande pourquoi il aurait voulu rajouter un nouveau numéro. Mais il a dû faire fabriquer cette installation. Je vais vérifier auprès des entreprises du coin. Et transférez-moi ça sur votre ordinateur, merci. J'arrive. Ah, ici. Ah, mais le colis a été livré hier après-midi. Ah. C'est pour ça qu'on l'a pas vu quand on a inspecté la scène de crime. Aidez-moi à le déballer. C'est la réplique de l'installation 85, ça. Ça vous dirait de jouer les assistantes, lieutenant ? Ouais. Très bien, ouvrez cette porte. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez la fermer et puis attendre 3 secondes pour la réouvrir. Très bien. 1, 2, 3. Commissaire ? Dingue ! Et comment vous avez fait ça ? Eh, lieutenant, il y a toujours un truc. Regardez. Ce bouton actionne une trappe, ce qui permet à l'assistante de disparaître pendant le tour. Sauf qu'on peut très bien la bloquer, cette trappe, en passant par-dessous. Ah, et c'est ce qui a pu se passer pour Fanny Castro. Ce qui prouverait que l'accident de Fanny n'en était pas un. Et que quelqu'un a saboté le mécanisme. À ce propos, vous en êtes où de vos recherches à la Sentinelle ?
Ouais, dans le genre affaire bâclée, on fait pas mieux. Hein. Les policiers de l'époque se sont contentés du minimum syndical. Ils ont tout mis sur le compte de l'inexpérience d'Alexandre. Mais on sait déjà qu'Alexandre est revenu voir son frère pour lui dire qu'il n'était pas responsable de l'accident. On sait aussi que ce même Alexandre a invité tous ses anciens camarades de classe à son spectacle. Et il avait aussi récupéré le Luger qui avait blessé Fanny. Ça, vous pensez la même chose que moi. Ouais. Alexandre Kremer savait qui était le vrai responsable de l'accident. Il avait décidé de le confondre pendant le spectacle, devant tous ses amis. Et c'est pour ça qu'il avait invité Fanny. Même si elle ne pouvait pas voir le spectacle, il voulait qu'elle soit là au moment où la vérité éclaterait. Oui. Sauf que quelqu'un l'a empêché d'aller au bout. Oui, mais qui? Bon, écoutez, je comprends rien à ce que vous me dites. Il y a eu une enquête à l'époque et on sait tous que tout était de la faute d'Alexandre. Mais justement, Alexandre Kremer pensait que les conclusions de cette enquête étaient erronées. La belle affaire. Ça prouve juste que ce type était incapable d'assumer ses responsabilités. Il n'était pas le seul à se poser des questions. Je pense même qu'Alexandre savait parfaitement quel était le responsable de tout ça. Et c'est pour ça qu'on l'a assassiné. Maintenant, vous allez répondre à nos questions. Alors, est-ce qu'Alexandre avait des ennemis au lycée? Mais c'est absurde, on avait 18 ans. On n'avait pas l'âge d'avoir des ennemis. Jérôme, ça suffit! Ce que vous dites est vrai, commissaire. Alors je veux savoir pourquoi je suis aveugle. D'autant que ce que raconte mon mari est faux. Au moment où j'ai eu mon accident, une personne avait de bonnes raisons d'en vouloir à Alexandre. Et de qui s'agit-il? De Cédric le Vigan. Depuis la seconde, Cédric était le meilleur copain d'Alexandre. Mais ils se sont fâchés quand Cédric s'est fait coincer à dealer du cannabis dans les toilettes du lycée. Mais quel rapport avec Alexandre? Il était avec lui. Seulement, à la différence de Cédric, Alex avait un père notable qui pouvait le protéger. Donc le Vigan a plongé tout seul. Il a été renvoyé du lycée et ses parents l'ont inscrit dans une école militaire. Après ça, Cédric en voulait Alexandre. Il lui reprochait de l'avoir laissé tomber. Le Vigan croyait qu'Alexandre était son ami, son égal. Et cet incident lui a prouvé qu'il se trompait. Il lui a rappelé qu'il n'était que le fils d'un petit ouvrier. Un ouvrier qui travaillait dans la menuiserie des Kremer. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Le Vigan a dû se sentir humilié. Il a voulu se venger. Il a décidé de ne plus faire partie du camp des faibles. C'est devenu un notable respectable, mais qui pouvait perdre sa réputation si Alexandre disait la vérité. Seulement, il y a un os. Ouais. Le Vigan a passé la nuit avec Elodie Vareux. Vous savez ce qu'on dit des alibis. Ils sont comme des ballons de baudru. Ils finissent toujours par se dégonfler. C'est un très bon investissement, mais il faut le faire maintenant, parce que si on attend, demain il sera trop tard. Je vous prie de m'excuser. J'aimerais vous dire que c'est un plaisir de vous voir, mais je sens que votre visite est tout sauf de courtoisie. Et vous devinez bien, j'ai des questions à vous poser. Quelles questions? Je vous ai déjà dit tout ce que je savais. Je ne crois pas. Non, ça ne me déplairait pas de vous humilier devant tout le monde, mais je pense que vous allez vous montrer coopératif. C'est une menace? Non, l'assurance que je vous emmène au poste si vous faites la forte tête. D'accord, mais allons ailleurs. Bien sûr. Vous m'avez caché votre passé de dealer. Dealer, tout de suite les grands mots. J'ai juste vendu un peu d'herbe quand j'étais jeune. Vous avez quand même été renvoyé du lycée à cause de ça, alors que votre copain Alexandre s'en a tiré, grâce aux relations de son père d'ailleurs. Cette injustice m'a ouvert les yeux. Elle m'a fait comprendre que seuls les puissants sont intouchables. Mais l'adolescent que vous étiez à l'époque a peut-être voulu se venger, en sabotant le spectacle d'Alexandre par exemple. Quoi? Mais quel rapport avec le meurtre d'Alexandre? Attendez, j'y viens. Alexandre avait compris que l'accident de Fanny Castro n'en était pas un. Et s'il s'avérait que c'était vous, il pouvait détruire votre réputation. Vous oubliez que j'ai un excellent alibi. Excellent, non, pas tellement. Puisque l'hôtel où vous étiez avec votre maîtresse possède des issues de secours qui ne sont pas équipées de caméras de surveillance. Vous pouviez très bien sortir, aller tuer Alexandre Kremer et revenir dans la chambre où dormait votre maîtresse. Non, mais on nage en plein délire. Je n'ai rien à voir avec l'accident de Fanny. Et j'aurais pas pu tuer Alexandre parce que je dormais au moment où il a été tué. J'avais trop picolé pendant la soirée et je me suis écroulé après. Après que vous ayez couché avec votre maîtresse, c'est curieux, mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas arrêté de faire des galipettes toute la nuit avec elle. Parce que j'avais pas le choix. Elodie m'a envoyé cette photo avant que vous veniez m'interroger. Elle m'a dit que si je ne confirmais pas son alibi, elle l'enverrait à ma femme. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Aucune idée.
Mais si vous pensez vraiment qu'Alexandre a été tué à cause de l'accident de Fanny, alors vous feriez mieux de vous intéresser à Elodie plutôt que de me harceler. Parce que vous pensez qu'elle aurait pu saboter le tour d'Alexandre. J'en sais rien et j'ai pas de preuves, d'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'Alexandre sortait avec Elodie avant de la plaquer pour Fanny. À l'époque, Elodie était la star du lycée et cette rupture a été une grosse claque pour elle. Elle s'est mise à détester Fanny, à la dénigrer. Elle disait à tout le monde que si elle lui avait piqué Alexandre, c'était uniquement pour pouvoir devenir son assistante. Mais je vois, Elodie n'était pas seulement la petite amie d'Alexandre, elle était aussi son assistante. Elle connaissait le tour de magie, donc elle pouvait très bien saboter le tour sans éveiller les soupçons. Vous vouliez me voir ? J'ai une conversation passionnante avec votre ami Cédric. Il m'a parlé de cette lubie de photographier vos partenaires sexuels pendant qu'ils dormaient. C'est tout de même un peu spécial, non ? C'est pas ce que vous croyez. Cette photo n'était qu'un souvenir. Une plaisanterie. Vraiment ? Et le fait qu'il mente pour corroborer votre alibi, ça aussi, c'était une plaisanterie. Cédric est marié. Et j'ai pensé qu'il aurait la frousse de vous dire la vérité. J'ai juste assuré mes arrières au cas où. Au cas où je vous soupçonnerais. Bon, ben si c'est tout ce que vous vouliez savoir, c'était peut-être pas la peine de me convoquer ici. Je pensais que vous alliez m'aider à comprendre certains détails sur l'accident de Fanny Castro. Vous la reconnaissez ? Votre régisseur m'a dit que Alexandre avait décidé de modifier son spectacle à la dernière minute. Vous deviez être étonné qu'il reprenne le tour de 85. Je lui ai dit que c'était déplacé, mais il y tenait absolument. Eh bien, je vais vous dire pourquoi, madame. Parce que votre ex-mari pensait que l'accident de Fanny n'en était pas un, et qu'il allait le prouver en recréant son tour. Théorie intéressante, mais totalement tirée du chapeau. Vous êtes trompé de métier, commissaire. Vous auriez dû être magicien. Eh, je ne le suis pas, malheureusement. Tandis que vous, vous étiez l'assistante d'Alexandre. Vous savez comment ça marche. Allez-y, entrez. Entrez. Voilà. Je ne suis pas sûr que la trappe fonctionne. Vous imaginez l'angoisse d'être dans cette boîte. On ne peut pas sortir, on est coincé et on sait très bien que quelqu'un va vous tirer dessus dans quelques secondes. BAM ! Ça suffit ! Je refuse de jouer ce petit jeu pervers. Je sais que c'est vous qui avez saboté l'installation. La petite peste que vous étiez n'a pas supporté d'être larguée et vous vous êtes vengé. Vous racontez n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec l'accident de Fanny, je peux même le prouver. Le jour du drame, j'étais avec Guillaume, le frère d'Alexandre. Je l'ai aidé à s'occuper du son et lumière. Vous n'avez qu'à lui demander. Je suis certaine qu'il confirmera. Mais c'est ce que je vais faire, chère madame. Oui. Ah, commissaire, j'ai visionné la vidéo du spectacle et Elodie Varro vous a pas menti. Hein. Sur les images, on voit bien qu'elle n'a pas quitté Guillaume Crémer. Parfait, c'est exactement ce que j'espérais. Ça a l'air de vous faire plaisir. Très, oui. Il est impossible qu'Elodie Varro se souvienne de ce qu'elle faisait il y a 30 ans. Donc, si elle se souvient de l'endroit où elle était, c'est qu'elle avait forcément planifié l'accident de Fanny. Elle n'a rien laissé au hasard. Et je vais vous le prouver. Enfin, merci d'être venu. Ça avait l'air important. Ouais. Je sais que ça remonte à loin, mais j'ai pensé que ces images raviveraient peut-être votre mémoire. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi Elodie était toujours à côté de vous ? Ouais, elle était excitée comme une puce ce jour-là. Elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle voulait m'aider. Moi, j'avais trouvé ça bizarre, parce qu'à l'époque, avec Alex, ils se parlaient plus trop, quoi. Ils venaient de se séparer. Mais concrètement, elle vous a aidé ou pas ? Non, pas vraiment. Elle était tout le temps dans mes pattes, là. Elle vous déconcentrait. Ouais. Ce qui pourrait signifier qu'elle n'a pas agi seule, mais avec un complice. Regardez. Là. L'ombre. Dans la coulisse. C'est flou, hein? Ouais, trop flou pour qu'on puisse l'identifier. Bah, voyons, lieutenant, c'est dans vos compétences, non? Ça tombe bien, je savais pas quoi faire de ma soirée.
Là, il est très... Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? C'est Cordélia qui montre des photos de LOLCAT. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire, ces petites bêtes. Il y en a même qui jouent du piano, dis donc. Passionnant. À part ça, la journée s'est bien passée. Génial. Paul m'a emmené à la fête foraine. Cet après-midi, on s'est éclaté. Il faut dire que Léo est très sympa. Hein. Qui c'est, Léo? C'est le copain de classe de Cordélia. Dis donc, t'as un petit copain, là. Tu m'en as pas parlé? T'aurais pu me le présenter, quand même. Non, dis donc, avec tout ça, j'ai pas vu passer l'heure, j'ai oublié de préparer le dîner. Ah, bougez pas, je vais cuisiner quelque chose. Non, on va commander les pizzas. Ouais, c'est très bon, les pizzas. Mais tu devrais quand même appeler Capucine pour t'expliquer avec elle. Après tout, c'est pas la première fois que ça chauffe entre vous. Non, mais cette fois-ci, j'ai bien peur que ce soit cramé, Simon. Si ça pouvait la faire changer d'avis, tu peux être sûr que je rentrerai dardard en lui demandant pardon. Mais puis quoi encore? Faut pas te laisser marcher sur les pieds. Mais tonton Paul, qu'est-ce que tu fais de ton amour propre? C'est comme Juliette qui m'a laissé tomber comme une vieille chaussette pour aller chez les British. Non, c'est pas tout à fait la même chose, ma chérie. Mais si, c'est pareil. Capucine, elle a écrasé Paul, mais maintenant c'est un homme libre. T'as entendu, Paul? T'es un homme libre. T'es un animal sauvage, Paul. T'es un tigre. Non, t'es un zèbre. Non, t'es un dauphin. Un dauphin? Ouais, t'es un dauphin. Qui sait plus nager parce que Capucine l'en a empêché. T'as compris, Flipper? Possibilité d'arrêter cette folie meurtrière. Qu'est-ce que c'est? C'est un agrandissement tiré de la vidéo du spectacle en 85. Vous le reconnaissez? Oui, c'est Jérôme. Jérôme Castro, quand il était plus jeune. Merci. Une balle en plein cœur, à bout touchant. Ça vous rappelle rien? Son complice a voulu la faire taire. En tout cas, c'est ce que suggère ce texto qu'a reçu Élodie. Il faut qu'on parle. Rendez-vous au gymnase du lycée. Et c'est signé Jérôme Castro. Vous pensez que Jérôme et Élodie savaient ce qui allait se passer quand ils ont saboté le spectacle? J'en doute. Ils ne pouvaient pas prévoir que Fanny deviendrait aveugle. Mais comment Jérôme Castro a pu épouser Fanny après ça? Mais la culpabilité, lieutenant. Leur mariage était fondé sur un mensonge. Alors, Jérôme a préféré tuer Alexandre et Élodie pour cacher la vérité à sa femme. C'est ce que les preuves indiquent. Mais je me demande pourquoi il n'a pas effacé le SMS qu'il lui avait envoyé hier soir. Emmenez-le au poste, je vais interroger sa femme. Il avait beau m'avoir, il supportait pas l'idée que je pense encore à lui. Mais la jalousie n'explique pas tout. D'après Guillaume, Alexandre semblait très heureux d'apprendre qu'il avait un fils. Et je doute fort qu'il n'ait pas eu envie de le connaître. Mais comme je vous l'ai déjà dit, j'ai supplié Alexandre de se taire. Mais il voulait tout raconter à Jérôme. Je sais pas s'il a eu le temps de lui dire, mais quand Alex avait une idée en tête, rien ne pouvait l'arrêter. Madame Castro, si votre mari a vraiment tué Alexandre Kremer, c'est pas seulement l'homme que vous aimiez qui l'a tué, mais aussi le père de votre fils. Alors cessez de le protéger. Vous avez raison, commissaire. De toute façon, ça sert plus à rien que je me taise, c'est trop tard. Après la soirée des anciens, j'étais très perturbée, j'ai mis du temps à m'endormir. Et j'étais pas la seule parce que... j'ai entendu Jérôme qui tournait en rond dans le salon. On aurait dit un lion en cage.
Et puis il est sorti. J'ai entendu la voiture. Je sais pas combien de temps il est parti, mais je sais que... il était tard quand Jérôme est venu me rejoindre dans le lit. Commissaire ? Oui. Vous pouvez venir ? Excusez-moi. Commissaire, on l'a trouvé dans le cabanon. La lugaire. Caché derrière les cartons. Félicitations, vous venez de résoudre l'enquête. Au labo. On a retrouvé ça dans votre cabanon. Alors autant gagner du temps et me dire ce qui s'est passé. Vous voulez pas ? Bon, je vais le faire. Nous savons qu'Alexandre était le père biologique de Nathan. Ça devait vous faire un choc quand vous l'avez appris. D'autant plus que Alexandre savait qui était le responsable de l'accident de Fanny. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a menacé de tout dire à votre femme et à votre fils. Alors, vous êtes allé à la salle des fêtes. Je ne sais pas si vous aviez l'intention de le tuer, mais en tout cas, vous vous êtes battu avec Alexandre. Et vous avez essayé d'arracher son arme et le coup est parti. Donc, fin d'Alexandre et fin de vos problèmes. Du moins, jusqu'à ce que je vienne vous interroger sur l'accident de votre femme. Alors là, vous avez senti l'étau se resserrer et vous avez décidé d'éliminer Élodie, votre complice. Le sabotage du spectacle, c'était son idée. Élodie disait qu'il n'y avait aucun risque, mais elle se trompait. Moi, quand je me suis aperçu de ce qui se passait, c'était trop tard. Mais vous aimiez Fanny. Vous vous sentiez responsable, alors c'est pour ça que vous avez décidé de l'épouser. Ouais. Et vous avez tort sur un point. J'ai toujours su que Nathan n'était pas de moi. Fanny le voit pas, mais elle ressemble trop à Alexandre. Ça m'a jamais empêché de l'aimer comme mon fils. Mais après tous ces sacrifices, il était hors de question de les perdre. Surtout pas pour Alexandre. Il les méritait pas. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille, c'est tout. J'en doute pas une seconde. Vous connaissez l'expression, un coupable idéal. Eh bien, Jérôme Castro est un coupable trop idéal. Vous l'avez pourtant cuisiné aux petits oignons. Il connaît le meurtrier et il cherche à le protéger. Vous avez son téléphone ? Oui. Merci. Veuillez dicter votre message. C'est exactement ce qu'il me fallait. Vous saviez que la reconnaissance vocale de votre téléphone était activée ? Et votre femme ? Se sert de ce téléphone de temps en temps. Écoutez, moi j'ai plus rien à vous dire, d'accord? Alors vous laissez la paix à ma famille, vous me donnez un papier, je vous signe mes aveux, d'accord? Voyez-vous, il y a quand même une chose qui me taraude. Comment Alexandre a-t-il fait pour découvrir la vérité sur l'accident de Fanny? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Il le savait parce que c'est Fanny qui lui avait donné les deux noms, le vôtre et celui d'Élodie. Laissez ma femme en paix, s'il vous plaît, laissez-la en dehors de ça, je vous en supplie. Et Fanny connaissait la vérité parce que c'est vous qui lui avez tout avoué. Des années à vivre dans le mensonge. Mais arrêtez de vous flageller. Ce qui s'est passé à l'époque n'était qu'un stupide accident. Par contre, le meurtre d'Alexandre et d'Élodie, ça c'est autre chose. Personne ne vous oblige à endosser des crimes que vous n'avez pas commis. Mais pensez à votre fils quand même. J'essayais d'oublier mais j'y arrivais pas. Je voyais Fanny aveugle, diminuer tout ça à cause de moi. Il y a 5 ans, j'ai fait une grave dépression. J'étais complètement au bout du rouleau, rongé de l'intérieur. Alors un soir, je me suis saoulé pour me donner du courage et je lui ai tout raconté. Elle m'a écouté et elle m'a dit qu'elle me pardonnait. Elle vous a menti. Elle ne vous a jamais pardonné.
Une petite envie de prendre l'air. Remarquez, c'est normal, dans ces circonstances. J'avais besoin de réfléchir, hein, Jérôme. Et à Nathan. Il vit très mal le fait que son père aille en prison. Je ne sais pas comment le réconforter. Ben, soyez soulagés, votre mari va être libéré. Je comprends pas. Je croyais que toutes les preuves accusaient Jérôme. Oui, mais malheureusement, ce ne sont que des preuves indirectes, même si je suis certain de sa culpabilité. Le procureur juge que le dossier est trop mince. Mais l'arme du crime, vous ne l'avez pas retrouvée? Non, je pense qu'on ne la retrouvera jamais. Jérôme a dû la balancer après avoir tué Elodie. Peut-être que vos hommes n'ont pas assez fouillé la maison. Mais je veux dire, si Jérôme l'a cachée, elle peut être n'importe où. Et vous avez raison, je vais demander à la scientifique de reprendre les recherches. Après tout, on finira peut-être par la retrouver, cette arme. Merci, commissaire. Excusez-moi, il se fait tard. Non, inutile, hein. Vous ne trouverez rien dans le cabanon. L'arme est déjà au labo pour analyse. Mais vous deviez rentrer pour vérifier, parce que c'est vous qui avez tué Elodie, Alexandre. De vous sortez une idée pareille. Vous oubliez que je suis aveugle. Non. Écoutez pas de ça avec moi. Je sais très bien que vous n'êtes pas une petite chose fragile. Alexandre et Elodie ont été tués à bout touchant par quelqu'un dont ils ne se méfiaient pas. Et après tout, qui pourrait se méfier d'une aveugle? C'est ridicule. Pas si j'arrive à prouver que vous connaissiez les itinéraires des deux scènes de crime. Vous savez ce qu'il y a à côté de ce parc? La salle des fêtes où Alexandre a été tué. Et j'ai eu votre amie Barbara au téléphone qui m'a certifié que, de temps en temps, vous veniez chercher Nathan au lycée. Dès que vous avez su la vérité, vous avez décidé de vous venger d'Elodie et de Jérôme. Seulement, vous ne saviez pas comment faire, alors vous avez convaincu Alexandre de vous aider. C'est pour ça qu'il a récupéré l'arme de son père. Il avait juré qu'il les ridiculiserait devant tout le monde. Qu'il leur ferait payer ce qu'il m'avait fait. Mais il était trop lâche pour aller jusqu'au bout. Vous a laissé tomber une fois de trop. Quand je suis venue le voir à la salle des fêtes, il m'a conseillé d'oublier la vengeance. Il disait que ça servirait à rien, qu'il était trop tard. J'ai essayé de le faire changer d'avis. Je lui ai demandé de m'emporter loin d'ici. Un de Seignac et de Jérôme. Et il a refusé de vous emmener avec lui. Il m'a répondu que ma place était ici, auprès de votre fils. J'ai senti la colère monter en moi. Tous ces mensonges, ces années gâchées. J'avais l'impression de flotter, de plus rien contrôler. Alors vous l'avez tué, d'une balle en plein cœur, comme dans les grands crimes passionnels. Mais je pouvais pas en rester là. Il fallait qu'ils payent tous pour ce qu'ils m'avaient fait. D'abord cette garce d'Elodie, et puis son inepte de Jérôme. Vous n'avez pas tué votre mari, sa mort aurait été trop douce. Vous vouliez qu'il aille en prison pour qu'il souffre autant que vous. Je me souviens du jour où il m'a tout raconté. Jérôme pleurait comme un gamin en me suppliant de lui pardonner. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? J'étais coincée, piégée. J'avais rien. Alexandre non plus n'avait plus rien à vous offrir. Il était malade, il souffrait d'un cancer. Il n'avait plus que quelques mois à vivre. Venez. Désolé pour le bazar, mais t'aurais dû passer par le garage. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que j'avais une porte d'entrée. Ah oui. Oh, écoute, Simon, je sais que je suis un peu difficile à vivre, mais je te promets de faire les efforts. Et puis c'est provisoire. Bah, il y a du provisoire qui dure. Je partirai dès que j'aurai trouvé un appartement, c'est promis.
Bon, c'est vrai que depuis que tu es là, Cordelia a retrouvé le sourire et tu y es pour beaucoup. Oh. Donc, Paul, tu peux rester tant que tu veux. Allez. Attends, qu'est-ce que je ferais si tu n'es pas là? Non, là, tu m'étouffes. Oh, pardon, pardon. Florence est arrivée? Oui. Ah, tu l'aurais vu. Capuchin est grimpé à la corde. Et toi, tu y arrives? La prof dit que je suis plutôt bonne. J'ai une moyenne de 8. Ah ouais, c'est pas mal, hein? Bonsoir, les filles. Bonsoir, papa. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Et comme je sais que ta sœur te manque, j'ai pris des billets pour Londres et j'ai réservé un hôtel à Piccadilly. On va voir Juliette? Oui, dans 15 jours. Ouais, c'est trop cool! Mais il y a trop de billets dans l'enveloppe. Oui. Paul vient avec nous? Mais c'est génial, ça! Non seulement il va rester chez nous, mais en plus il vient à Londres. Non, je pensais emmener Florence avec nous. Attends une minute, comment tu sais que Paul va s'installer à la maison? Je viens de... Il a tout manigancé, non mais l'estafier... Paul! Voilà, c'est vrai. Michael, musique. Samedi prochain, Magellan fait danser les stars. Allez. C'est très émouvant, mais pas assez convaincant. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est cette obsession à vouloir gagner le concours.